terrible, je me suis fait inviter à la finale de Roland-Garros. Donc ça va être Djoko contre Wawrinka. Finale 2015, je veux dire, on n'a pas eu ça depuis des années. Pour une fois, c'est pas Nadal ou Federer. Ça va être cool. En tout cas, je peux vous dire que les gens là-bas, ils sont nickel. Hein. Mais vraiment, ils sont habillés top. Je sais pas si j'ai vu la télé là, mais. Alors moi aussi, je vais me faire un peu nickel. Donc, je sais pas très bien comment m'habiller en fait. Je sais pas trop. Est-ce que je vais mettre. Peut-être ma veste noire en fait. Ma veste noire. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Ma veste noire avec mes lunettes de ski par exemple. Lunettes de ski comme ça. Ou bien avec le chapeau blanc. Ou bien plutôt le chapeau noir. Tout le temps comme ça, tout l'après-midi. Tac, 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 ok. Bon. Pour peut-être qu'est-ce que je pourrais changer de lunettes? Je peux mettre mes lunettes de Top Gun aussi. Lunettes de Top Gun comme ça. Tac. Avec. Ou alors mes lunettes d'intello. J'ai une lunette d'intello aussi. Comme ça. Mes lunettes d'intello ou bien ma veste blanche. C'est génial, je suis trop content quoi. Comme ça. Mes lunettes de ski. Hop. Comme ça. Bon, vous avez compris. En gros, ce que je me demande et ce que je voudrais que vous calculiez maintenant, c'est, eh bien, combien de looks différents est-ce que je peux avoir? Ok? Donc, de combien de manières différentes est-ce que je peux m'habiller? Alors, vous trouvez quelque chose? Combien de possibilités? 10, 15. Non. Non, 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 non. Allez, je vais un peu vous aider. Bon, la méthode qu'on essaye d'enseigner ici, c'est les arbres. Donc, on va dessiner des arbres. On va dessiner donc d'abord les possibilités qu'on a au niveau des vestes. Ensuite, après les vestes, on avait les lunettes. Et alors après les chapeaux. Hein. Donc les vestes, qu'est-ce que j'avais comme couleur de veste? Eh ben, j'avais la blanche et la noire. Donc on va mettre grand N, grand B. Au niveau des lunettes, j'avais donc trois paires. Hein. Ok? J'avais donc trois paires. On va les citer. Hein. Donc on avait les lunettes de ski. Les lunettes de Top Gun et les lunettes d'Intello. Ok, donc les lunettes de ski, les lunettes Top Gun et les lunettes Intello. Alors, après ça, on avait les chapeaux. Ok, alors on a aussi les chapeaux, on avait combien de chapeaux? On avait un chapeau blanc et un chapeau noir. Donc on va mettre petit b, petit n. 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 Voilà. Alors, vous allez maintenant recompter ceux qui n'ont pas trouvé combien de possibilités différentes de m'habiller, combien de looks différents est-ce que je peux avoir? Ok, donc avec l'arbre, normalement c'est plus facile. Et une fois que vous avez trouvé le nombre de possibilités, après, pour les meilleurs, aussi de trouver la règle
C'est quoi la règle? Est-ce qu'il y a un truc pour pas toujours devoir tout écrire? Hein? Donc nous ici, on va quand même tout écrire une première fois pour que... Parce qu'il faut visualiser les choses. Hein? Il faut visualiser les choses. Donc, première possibilité. Donc si on écrit ici à côté toutes les possibilités, qu'est-ce qu'on a? Ah, je peux mettre veste noire. Lunettes de ski, chapeau brun. Ou bien veste noire, lunettes de ski, chapeau noir. Veste noire, lunettes de Top Gun, chapeau brun. Veste noire, lunettes de Top Gun, chapeau noir. Vous suivez là? Ok? Donc je laisse continuer. Après, donc on suit les lignes comme ça. Hop, 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 hop. Une possibilité. Deux possibilités. Trois possibilités. Quatre possibilités. Maintenant, on va faire veste noire, lunettes d'un télo, chapeau brun. Veste noire, lunettes d'un télo, chapeau noir. Ok? On va continuer un petit peu. Lunettes de Top Gun. Tiens, c'est pas mettre deux lunettes en même temps. Hein. Ça, on va pas faire. Hein. Mettre deux lunettes en même temps, ça, je vous ai pas parlé de ça. Hein. Ça, ce sera encore un nouveau look, ça, mais pas ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir? Veste blanche, lunettes de ski, chapeau brun. Veste blanche, lunettes de ski, chapeau noir. Veste blanche, lunettes de Top Gun. Chapeau brun, veste blanche, lunettes de Top Gun, chapeau noir. Ok? Alors, lunettes, veste blanche, lunettes intello, chapeau brun, veste blanche, lunettes d'intello, chapeau noir. Ok? Alors ça, c'est toutes nos possibilités. Alors, on en a combien des possibilités en fait? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, on a 12 possibilités. 12 possibilités différentes. Ok, 12 looks différents. Alors, ça c'est du boulot de chaque fois à écrire ça. Vous imaginez si, je sais pas, si j'avais 4 vestes, 5 paires de lunettes, bonne chance pour tout écrire. Bonne chance. Donc ici, on le visualise sur un petit exemple numérique et on essaie de deviner la règle. Alors, qu'est-ce que c'est la règle? Hein? Qu'est-ce que c'est la règle? Est-ce que quelqu'un l'a vue? Oui, Chamille. Oui, il est quel génie. Quel génie! Oui, je sens qu'il va l'avoir. Je sens qu'il va l'avoir. Oui, il y en a d'autres aussi. Oh, c'est une classe de génie ici. J'ai de la chance de bosser ici avec vous. Quelle chance! 12. Mais monsieur, c'est simple. C'est ça, fois ça, fois ça. Ok. Donc, si j'ai 2, que je multiplie par 3, que je multiplie par 2, je trouve bien 12. Donc en fait, vous retenez ceci, quand on avance comme ça, quand on a des arbres et qu'on avance, on appellera ça la loi du produit. La loi du produit. Et donc on avance 2 branches fois 3 branches fois 2 branches. Ça nous donne bien les 12 possibilités. Ok? Et là, on peut dire qu'on devient des petits intellos, hein. Ok. Avec les lettres B, S, U, combien de mots différents est-ce que je peux fabriquer? Alors les mots, c'est pas grave s'ils n'existent pas. B, S, U, c'est un mot par exemple, mais il n'existe pas en français. Donc, avec ces trois lettres, combien de mots différents puis-je fabriquer en changeant l'ordre des lettres? Je vous laisse un petit peu y réfléchir. Allez. Bon travail!
Je vous regarde. Vous m'appelez quand vous avez trouvé. Hein. Combien de mots différents de trois lettres? Alors, je rajoute, je ne peux pas prendre deux fois la même lettre. Hein. J'ai les lettres BSU. Ok? Je ne peux pas prendre deux fois la même lettre. Combien de mots différents puis-je fabriquer? Huit, cinq, dix, six. Ok, beaucoup d'idées, beaucoup d'idées. On va un peu rassembler ça en faisant un arbre. Ce que je vous propose, la première chose que vous faites, c'est que vous dites, tiens, ma première lettre que je peux mettre en première position. Mais j'ai le choix entre quoi et quoi? En fait, j'ai le choix entre toutes les trois. Donc, mon arbre va s'ouvrir en trois branches. Je prends le B, le S et le U. Okay? En deuxième lettre, si j'ai déjà pris le B, on a dit qu'on ne peut pas prendre deux fois la même lettre. Donc, il n'y a plus que deux lettres que je peux pêcher. Si j'ai pris le B, il me reste le U et le S. Si j'ai pris le S, il me reste le B et le U. Si j'ai pris le U, il me reste le B et le S. Alors, troisième lettre. Si j'ai déjà pris B et que j'ai déjà pris U, qu'est-ce qui me reste? Ben, il me reste plus que le S. Si j'ai pris B, S, qu'est-ce que je peux encore mettre à la fin? Le U. Si j'ai pris S, B, le U. S, U, B, U, B, S, U, S, B. OK? Donc, quelles sont toutes mes possibilités? On va les écrire. Première possibilité, bus. Deuxième possibilité, bsu. Troisième, zbu. Quatrième, sub. Cinquième, UBS. Sixième, USB. Donc, j'ai six possibilités. Alors, comment est-ce que j'aurais su le voir? Comment est-ce que j'aurais su voir ça facilement, en fait, hein? Le plus simple. C'est de nouveau comme là tantôt, vous avancez, on avance comme ceci horizontalement. On a trois branches fois deux branches fois une branche, ce qui nous fait six possibilités. Alors, ça c'est qu'on a fait l'arbre qu'on peut visualiser. Maintenant, il y a moyen aussi de faire juste les. Il y a moyen en fait d'utiliser la formule, une formule. Alors comment est-ce qu'on va utiliser une formule? Eh bien vous faites un pot. Pour ceux qui veulent travailler avec les formules. Dans le pot, on a les lettres BUS. OK? On va dire que N vaut 3. Parce que N, c'est le nombre de lettres qu'il y a dans le pot. P, ce sera le nombre de lettres que je vais piocher dans le pot. Alors ici, j'avais 3 lettres, mais je pioche les 3 lettres. Okay. Alors, la formule sera la suivante. Permutation pour P, P de n égale à factoriel n. Alors, ici notre n, on a vu qu'il valait 3, donc on peut écrire P de 3 égale factoriel 3. Et factoriel 3, qu'est-ce que ça fait? Ça fait 3 fois 2 fois 1, ce qui nous fait bien nos 6 possibilités. Donc la notation factorielle, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est nouveau, il y a même une touche sur votre calculatrice. Factorielle, qu'on note comme ceci. Si vous avez par exemple factoriel 5, vous poussez sur votre calculette, vous regardez combien ça fait, ça fera 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. OK? Donc 5 fois 4, 20. 20 fois 3,
60, 60 fois 2, 120. Donc vous pouvez essayer sur votre calculatrice. Factoriel 5, c'est 120. Ici, en tout cas, factoriel 3, vous trouvez 6. Alors, je vais vous donner les mots-clés qui vous permettent de savoir quand est-ce que vous pouvez reconnaître qu'on est dans une permutation sans identique. Alors, les mots-clés, eh bien, ce sera n qui est égal à p. Donc, ça veut dire que le nombre de lettres que je pioche, eh bien, c'est le nombre de lettres qu'il y a dans le pot au départ. N égale p. Deuxième mot important, on va dire que c'est avec ordre. On va dire que l'ordre compte, parce que chaque possibilité est différente. Bus, psu, sbu, l'ordre des lettres change, et c'est chaque fois une nouvelle possibilité. Donc avec ordre. Troisième mot-clé, ce sera sans identique. Sans identique, parce qu'effectivement, dans le pot, on a B, U, S, ce sont toutes des lettres différentes. Ok? Donc on n'a pas d'identique. Et alors, là, le dernier mot-clé, c'est sans remise. Alors sans remise, ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne peut pas remettre la lettre dans le pot quand on l'a pêchée. La question que je vous demande, combien de possibilités différentes est-ce que vous pouvez trouver avec ces trois lettres? Ok? Je vous laisse un petit peu réfléchir. J'aime bien ça quand vous travaillez. Essayez un peu de voir combien de possibilités. Tous ces petits cerveaux qui réfléchissent, c'est gai ça. Quel calme. Alors, j'entends 6, 10, 2, 3. J'entends de nouveau un peu toutes les réponses, hein. Alors, on va un petit peu restructurer tout ça. Donc, premier tirage, qu'est-ce que vous pouvez prendre? Vous pouvez prendre S, O ou S. Ok? Ça, on va dire que c'est votre première lettre. Alors, deuxième lettre. Si vous avez pris le S, vous pouvez encore prendre un S, il en reste un, et un O. On ne peut pas prendre deux fois la même lettre, hein. On ne peut pas remettre la lettre dans le pot. O, alors si j'ai pris un O, je peux prendre un S et un S. Si j'ai pris un S, de nouveau, je peux prendre un S et un O. Alors, comme troisième lettre, si j'ai pris SS, qu'est-ce qui me reste? O, O, O. Si j'ai pris S, O, il me reste le S. O, S, il me reste le S. O, S, il me reste le S. S, S, il me reste le O. Et S, O, il me reste le S aussi. Donc, si j'écris maintenant toutes mes possibilités, j'ai S, S, O, S, O, S, O, S, S, O, S, 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 O et S, O, S. Alors, à votre avis, combien de possibilités est-ce qu'il y a ici? Trois possibilités. Effectivement, il y a trois possibilités. Pourquoi? Pourquoi trois possibilités? Pourtant, il y en a six. Oui, mais SSO, SSO, c'est les mêmes. SOS, SOS, c'est les mêmes. OSS, OSS, c'est les mêmes. J'ai donc trois possibilités. Alors, est-ce que j'aurais pu le voir le plus simple, hein? Ce que vous devez faire quand vous voyez ça, c'est de nouveau, vous multipliez vos branches comme avant. Donc on a trois branches, fois deux branches, fois une branche,
ça va donner 6. Okay? Or, ce n'est pas 6, c'est 3. Ce que vous devez bien penser quand vous avez des identiques, comme ces deux lettres identiques, vous redivisez par les permutations de ces deux lettres identiques. Donc, vous redivisez par 2. Et qu'est-ce que ça vous donne? 3 fois 2 fois 1, ça vous donne 6. Divisé par 2, ça vous fait bien 3 possibilités. Alors, la formule. Je vais donner la formule. Alors, en fait, ce qu'il faut penser, c'est au niveau de la formule, ce sera P, I, J, K, N, ce sera un factoriel N sur un factoriel I fois un factoriel J fois un factoriel K. Ça, c'est la formule. Alors, qu'est-ce qu'on avait en fait dans le pot? Alors, dans le pot, on avait SOS. Alors, N, c'était le nombre de lettres qu'il y avait dans le pot. Donc, on en avait 3. P, c'était le nombre de lettres qu'on allait tirer du pot. On tire les 3 également. On va rajouter le nombre d'identiques. I, J, qu'il y avait dans la formule ici. Qu'est-ce que c'est I, J? En fait, c'est les identiques, c'est les permutations des identiques. Donc, les identiques... Eh bien, on a 2S. Alors, on n'a pas d'autres lettres qu'on a en identique. Donc, il n'y a rien d'autre à mettre ici. Donc, ça nous fait P, 2, 3. OK? Donc, I, 2, N, 3. Donc, factoriel N sur factoriel I. Donc, ça nous fait un factoriel 3 sur un factoriel 2. Ce qui nous fait 3 fois 2 fois 1. Sur 2 fois 1. Tout ça, on peut simplifier. Hein. Hop, 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 hop. Et donc, on trouve bien nos 3 possibilités. Ça, c'est pourquoi on veut travailler avec les formules. Moi, personnellement, j'aime bien travailler avec un arbre. Et alors, je vois les identiques. Alors, on redivise par le nombre d'identiques, par les permutations des identiques. Donc, en fait, c'est la même chose. On peut voir ici, par exemple, ben, en fait, c'est un P3 divisé par un P2, si vous voulez. Alors, P3, c'est un factoriel 3. P2, c'est un factoriel 2. Ce qui me fait donc 3 possibilités. Au niveau des mots-clés, comment est-ce qu'on peut retenir, puisqu'on a vu les mots-clés avant des permutations sans identiques. Maintenant, les mots-clés pour les permutations avec identiques, c'est la même chose, sauf qu'il y a un truc qui change. Donc, N égale à P, c'est sans remise. Une fois qu'on a pris la lettre dans le pot, on ne la remet pas. OK ? C'est avec ordre. Avec ordre, parce que l'ordre compte. Hein. SSO, SOS, c'est 2 possibilités différentes parce que l'ordre des lettres a changé, donc avec ordre. La seule différence par rapport à avant qui était sans identique, ici c'est que on va dire avec identique. Voilà pour nos mots-clés. Donc, ce qu'il faut bien retenir, 3 fois 2 fois 1, ce qui me fait 6. Or, je n'ai pas 6 possibilités, j'en ai que 3. Pourquoi? Parce que je dois rediviser par la permutation de mes identiques. Donc, je redivise par 2, puisque j'ai 2 identiques, c'est un P2. Okay? Donc, j'ai un P3 sur un P2. J'ai donc 3 possibilités différentes. OK? Allez!
Ah, que ça va, vous travaillez bien. Je suis content de vous. Avec les lettres Nana, donc 2N, 2A, combien de possibilités est-ce que je peux avoir? Mais vous dessinez, je veux tout visualiser, je veux un arbre, je veux tout voir. La formule, on sait. P, I, J, K, N, ça. Ok, je veux pas juste une réponse comme ça, je veux que vous le dessiniez. Ok? Au boulot! Je vais un peu passer voir. Comment vous en sortez? Non, non, ça c'est pas bon. Bon, j'attends encore une minute. Puis on va le faire ensemble. Ok, c'est parti. Alors, qu'est-ce que j'ai? Première lettre, mon arbre souvent combien de branches? Quatre branches, c'est bien ça. 1, 2, 3 et 4. Donc, N, A, N, A. Ok? J'ai bien mes quatre possibilités. Ensuite, chaque branche va s'ouvrir, comme je ne peux pas reprendre la lettre, c'est sans remise, donc ça va s'ouvrir en trois branches. Ça va être chaud, hein? Ça va être chaud à dessiner, je vous le dis. Prenez une feuille, mettez-la en format paysage. Alors, N, si j'ai pris le N, il me reste A, N, A. Si j'ai pris A, il me reste N, N, A. Si j'ai pris N, il me reste N, A, A. Si j'ai pris A, il me reste N, N, A. Ok, donc première lettre, deuxième lettre, alors troisième lettre, quatre branches, trois branches, ça va s'ouvrir maintenant en deux branches. Si j'ai pris N, A, il me reste encore N et A. Si j'ai pris N, N, il me reste A et A. N, A, il me reste N, A. A, N, il me reste A, N. A, N, il me reste A, N. A, A, il me reste N, N. N, N, il me reste A, A. N, A. N, A. N, A. N, A. 2, 2, 2. A, N. Qu'est-ce qui me reste? A, N. A, N. A, N. A, A, N, N. Ça, c'est ma troisième lettre. Ok? Elle vient long, hein? Bon, dernière lettre. Si j'ai pris N, A, N, ça s'ouvre en 1, qu'est-ce qui me reste? A. N, A, A, il me reste N. N, N, A, il me reste A. N, N, A, il me reste A. N, A, N, il me reste A. N, A, A, il me reste N. A, N, A, N. A, N, N, A. A, N, A, N. A, N, N, A.
A-A-N. N. A-A-N. N. N-N-A-A. N-N-A-A. N-A-N-A. N-A-A-N. N-A-N-A. N-A-A-N. A-N-A-N. A-N-N-A. A-N-A-N. A-N-N-A. A-A-N-N. A-A-N-A. A. Ok, comme ça, je suis sûr, si vous savez faire ça, après, vous allez vraiment comprendre. Vous allez vraiment voir et donc comprendre. Toutes les possibilités. J'ai donc première possibilité, nana. Deuxième possibilité, n, a, n. N, n. A, a. N, n. A, N, A, N, A, N, A, A, N. Ok. On a déjà fini jusqu'ici. On redémarre ici. A, N, A, N. A, N, A, N. A, N, N, A. A, N, A, N. A, N, N, A. A, N, N. A, N, N. Ok, on a fini jusqu'ici. On va démarrer maintenant ici. Hein. N-N-A-A. 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 N-A-N-A. N-A-A-N. N-A-N-A. N-A-A-N. Ok. On a fini jusqu'ici. Il nous reste maintenant à démarrer du A. Vous ai dit, c'est chaud, on le fera pas, on le refera pas. Vous inquiétez pas, on le fait une fois. Comme ça, quand on l'a compris, quand on arrive à le faire, ok. Après, j'ai vraiment. Alors là, je vais vraiment comprendre la formule que je pourrais utiliser tranquillement. A-N-A-N. A-N-A-N. A-N-N-A. A-N-A-N. A-N-N-A. A-A-N-N. A-A-N-A. Alors ici, on a envie de dire, mais écoutez, on va voir si on n'a rien oublié. On va vérifier. Donc, 4 fois 3 fois 2 fois 1. On peut écrire. On va le mettre ici en bas. 4 fois 3 fois 2 fois 1. Donc, ça fait 24. On va voir si on a bien les 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Yes, on n'a pas fait d'erreur. Super. Donc, on pourrait croire qu'il y a 24 possibilités. Mais il y a des identiques. Donc, on va devoir enlever des choses. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme identique? Nana. 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 Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? N-A-A-N. Donc ça nous fait une possibilité. N-A-A-N. N-A-A-N. Ça, si on l'a choisi en vert. N-A-A-N. 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 Ok. Autre possibilité. Vous suivez toujours? N-N-A-A. 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 Alors, qu'est-ce qu'on a encore comme possibilité? Donc, bleu, vert, jaune. Je vais prendre du rouge, tiens. A-N-A-N. A-N-A-N. On peut barrer. A-N-A-N. A-N-A-N. Ok. Donc pour l'instant, on en a déjà barré pas mal. Anna. C'est joli, ça. Hein? Anna. Alors. Avec deux N, hein, Anna. Non, non, non. Anna, on peut barrer. Anna, on peut barrer. Qu'est-ce qui nous reste? A, N, A, A. Je vais reprendre un peu les mêmes couleurs parce que j'ai plus de couleurs, désolé. Hein. Donc, A, N. J'ai pas assez de couleurs, hein. A-N-A-A. Non. Alors, A-A-N-N. A-A-N-N. Donc, ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, on dirait qu'il va y avoir une petite faute. A-A-N-N. A-A-N-N. Eh bien, on peut barrer celui-là. Ok. Alors. Oui, celui-là, c'est une erreur de ma part. Ok. A-A-N. C'était pas un A ici. Ok. A-A-N-N. 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 En bleu, on peut le barrer aussi. Voilà. On y est. Génial. Bon, qu'est-ce qu'on voit là-dedans? Qu'est-ce qu'on voit? 4 fois 3 fois 2 fois 1, ça faisait donc 24 possibilités. Ok? Mais il faut diviser par les identiques qu'on avait dit. Qu'est-ce qu'on a comme identique? On a N, N et on a A, A. Donc, si on redivise par les identiques, on divise par 2 et on divise encore une deuxième fois par 2. Donc, on a 24 divisé par 4, ce qui nous fait 24 divisé par 4, 6 possibilités. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. Zut, il y a un truc qui déconne. 4 fois 3
fois 2 fois 1 sur 2, 2. 24 sur 4, ça doit bien faire 6. Alors il y en a un qui serait le même ici ou quoi? N, N, A, A. Tac. C'est celui-là qui est une erreur. A, N, A, A. Ça, ça va pas celui-là. A, N. Ça devient compliqué. Qu'est-ce qu'on va avoir comme, faire comme petite faute? A, N, A, A, c'est pas possible. A, A, N, A, 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 N, A, N. Ça doit être un N ici. Et alors, A, N, A, N, on pouvait le barrer. D'accord. A, N, A, N. Celui-ci, il n'y a pas à mettre de verre. Celui-ci, on le barre aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK. Au niveau de la formule P, I, J, K, N, on avait donc dit N sur factoriel I, factoriel J, factoriel K. Donc ici, on a un P4 avec 2, 2. Donc c'est 4 factoriels, 2 factoriels, 2 factoriels. OK? Ce qui nous donne bien 6 possibilités. Mais c'est gai de travailler avec les arbres. Et quand on travaille avec les arbres, je trouve que c'est le plus chouette. On voit, OK, 4 branches fois 3 branches fois 2 branches fois 1 branche. Donc on va écrire notre 4 fois 3 fois 2 fois 1. Et après, on voit bien qu'il faut diviser par les permutations, divisé par les identiques. Donc, il faut diviser par la permutation des identiques. Donc, 2 et 2. Et là, on trouve 6. Donc, pas oublier que c'est un P4, si vous voulez, divisé par un P2 fois un P2. Qui nous donne 6. Vous avez vu? C'est long. C'est autre chose que SOS. Hein. SOS, ça va, on dessine facilement. Nana, on a 24 choses à dessiner. C'est plus de boulot, mais on visualise et on comprend. C'est ça qui m'intéresse. On va attaquer maintenant les arrangements. Après les permutations, les arrangements. J'ai d'abord quelque chose à vous dire. Dites, à la séquence précédente, dans les permutations, j'avais mon chapeau à l'envers. Vous n'avez rien dit, hein? De quoi j'ai l'air, moi, comme ça? Hein? Et pensez un petit peu à ça. De quoi j'ai l'air? Avec un chapeau à l'envers. Moi, je veux la classe, hein? S'il y a un petit truc, vous me dites, OK? Je veux la classe pour moi. Je veux pour vous aussi la classe. Je vous offre la classe. Je vous offre... Je veux votre épanouissement. Hein? Moi, mon image, mon chapeau à l'envers, c'est quoi ça? Pas la classe, hein? Quand vous le voyez, vous me le dites, OK? Donc, les arrangements, on va voir les arrangements maintenant. Alors, je vais pêcher donc les lettres dans mon chapeau. Je vais pêcher... une petite lettre. Ouh! Oh! Quelle magie! Comment est-ce qu'il a fait pour aller sur ma tête, celui-là? Un vautour. Oh! Oh! Attention, il vous surveille. Hein? Pas vous laisser mourir. Hein? Travaillez bien, sinon il arrive. Il vous dévore. Hein? Il est beau. Allez, on va le remettre dans sa petite cage. Oups. Avec les lettres A, B, C, D, combien de codes de deux chiffres différents pouvez-vous fabriquer?
vous ne pouvez pas prendre deux fois la même lettre. Ok? Donc les lettres peuvent être prises qu'une seule fois. A, B, C, D. Combien de codes de deux lettres pouvez-vous fabriquer? Je vous laisse réfléchir à ça. Vous savez que j'aime bien vous laisser un peu réfléchir. Hein? Je vais passer voir un petit peu, hein, comment vous faites. Il y a de l'idée. Ouais, c'est bon. Continue, vas-y, continue. Ouais, continue comme ça. Non, ça c'est pas bon. Non, non. Il n'y a pas ça au début. Non, non. Bon. On va résoudre ça ensemble. Donc, combien de codes deux lettres différentes? Alors, vous dessinez l'arbre. Toujours, première chose, combien de branches? Quatre lettres, donc il s'ouvre en quatre branches. A, B, C ou D. Ok? Ah. T'as toutes mes lettres. Et tu veux bien ramasser, s'il te plaît, devant là. Tu veux bien ramasser les papiers? Merci, hein. Bon. Oui, je te mettrai une petite cote. Oui, c'est ça que tu veux, un petit bonus. Oui. Non, non, rien du tout. Je demande juste de m'aider, c'est tout. Alors, A, B, C, D, c'est la première lettre du code. Alors, si j'ai pêché le A, qu'est-ce que je peux pêcher ensuite? Je peux pêcher B, C et D. Ça s'ouvre en trois branches. Si j'ai pris le B, qu'est-ce que je peux prendre? A, C, D. Si j'ai pris le C, qu'est-ce que je peux prendre? A, B, D. Si j'ai pris le D, qu'est-ce que je peux prendre? A, B, C. Mais vous êtes tous très forts, hein? Je crois que vous commencez à bien comprendre. Donc ça, c'est ma deuxième lettre. Alors, on va écrire toutes les possibilités. Toutes les possibilités. Donc, première possibilité, AB, AC, AD, BA, BC, BD, CA, CB, CD, DA, DB, DC. Ça nous fait combien de possibilités? Très bien. 12. Effectivement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est ça. Alors, on aurait pu le voir très facilement avec 4 fois 3. 4 fois 3, ce qui nous fait bien 12 possibilités. Je vais donner la formule. La formule APN égale à factoriel n sur factoriel n moins p. Alors, ici, dans notre pot, si on dessine notre pot, on avait combien de lettres? On avait A, B, C et D. OK? Donc notre n, il était égal à 4. Notre p, c'était le nombre qu'on va en piocher. Alors combien est-ce qu'on en pioche ici? Une, deux. OK? Donc, p est égal à 2. Alors, on va écrire ceci comme ça. Ça fait a, 2, 4, factoriel 4, sur 4 moins 2, factoriel. Ce qui nous fait factoriel 4 sur factoriel 2. Factoriel 4, 4 fois 3 fois 2 fois 1 sur 2 fois 1. On peut simplifier tous nos deux. Touk, 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 touk.
4 fois 3, 12. Alors, c'est quoi les mots-clés des arrangements sans remise? Parce que ceci, donc, c'est ce qu'on appelle les arrangements sans remise. Alors, c'est quoi les mots-clés pour reconnaître quand on a ça? Les mots-clés. Eh bien, ici, P n'est pas égal à N. Vous remarquez, on en a pêché moins que ce qu'il y en avait. En fait, P est plus petit ou égal à N. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est avec ordre. L'ordre compte, hein. Donc, on est AB ou BA. C'est deux possibilités différentes. L'ordre a de l'importance. Alors, c'est sans remise. C'est sans remise parce que j'ai pas pêché. Une fois que j'ai pioché le A, je n'ai pas remis le A. 4 branches est devenu 3 branches. OK? Donc je ne peux pas prendre deux fois la même lettre. Donc avec ordre, sans remise. Et alors sans identique. Hein. C'est sans identique. Sans identique, parce que vous regardez que dans la lettre A, B, C, D, on n'avait pas de lettre identique. Voilà. Ouh, ça bosse, hein? Ouh là là! Je pensais être mort, moi. Vous aussi? Il est temps que ça sonne. Bon. Ben, c'est encore assez facile, hein, je suppose. Avant que ça sonne. Je voudrais qu'on fasse encore les arrangements avec remise. Ok? C'est pas difficile non plus, mais tant qu'on y est, on finit ça. Hein. Ok? Je commence à être fatigué. Ouais. Je vais mettre mes lunettes pour voir un peu mieux. Dis, Kevin, merci d'avoir ramassé les papiers hein, tantôt. Là. Merci. Ouais, ouais, ça me fait, c'est gentil parce que moi, je suis crevé. Hein. Je commence à être crevé. Oui, oui. Toujours tout écrire à la craie et tout, debout. Vous êtes assis. Tu vois la différence? Parfois j'ai l'impression que je fais du plafonnage ou quoi. Pouh, à la fin de la journée, j'ai mes bras comme ça. Ouh là là. Bon. Au boulot. Donc, nous avions dit que nous nous attaquions maintenant aux arrangements avec remise. Avec les lettres A, B, C, D. Combien de codes différents de deux chiffres vous pouvez fabriquer? Alors, c'est la même chose qu'avant, sauf que maintenant, vous pouvez reprendre la lettre, enfin, vous pouvez remettre la lettre dans le pot après l'avoir pêché. Donc, on peut prendre deux fois le A, ou trois fois, ou quatre fois, mais ici, ce sont des codes de deux lettres. OK? Donc, on ne le prend que deux fois. Je vous laisse un petit peu réfléchir. Je vais passer voir. Ouais, pas mal. Non. Non. Good. Good job, man. Il n'y a pas de but. Il n'y a pas de but. OK? Good job. Allez. Bon. Les arrangements avec remise, je vais vous aider. Maintenant, ceux qui n'y arrivent pas. Donc, l'arbre, évidemment, il s'ouvre en 4. Donc, vous avez A, B, C et D. Et pour votre, ça, c'est votre première lettre du code. Deuxième lettre du code, ça s'ouvre de nouveau en 4. Donc vous avez toujours A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D. Ça c'est donc la deuxième lettre
du code. Ok. Alors, les possibilités. Combien on en a? AA, AB, AC, AD, BA, BB, BC, BD, CA, CB, CC, CD, DA, DB, DC, DD. Ouais, il y avait plus simple. Hein. Ok. Ceux qui le voient directement maintenant, 4 x 4, 16. Hein. 4 x 4, il y a 16 possibilités. 1, 2, 3. 1, 2, 3, ce qui nous fait 6. 1, 2, 3, ce qui nous fait 9. 1, 2, 3, ce qui nous fait 12. 1, 2, 3 et 4, ce qui nous fait 16. Ok, on y est. 16 possibilités. Formule. Alors, formule. Alors, BPN égale à N exposant P. Ok. Donc, ici, dans le pot, qu'est-ce qu'on avait? On avait A, B, C et D. N valait 4. Il y avait 4 lettres dans le pot. Et P valait 2 puisqu'on en empêchait 2. Donc, ce qui nous fait un B, 2, 4, ce qui nous fait un 4 exposant 2, ce qui fait bien 16. Ok. Quels sont les mots-clés pour voir les mots-clés pour vous aider à repérer? Alors, P est plus petit ou égal à N, ou, et sinon, puisqu'on le remet autant de fois qu'on veut, c'est ça qui est important, P peut être plus grand que N. C'est le seul ici. P peut être plus grand que N. Je peux le pêcher autant de fois que je veux. Si je fais un code à 7 chiffres, je peux mettre 7 fois, je peux prendre 7 fois le A. Donc P peut être plus grand que N. Avec ordre. Avec ordre, qu'est-ce que ça veut dire? A, B, c'est un code différent de B, A. L'ordre a de l'importance. Vous comprendrez quand on verra les combinaisons après. Sans identique. En effet, A, B, C, D, je n'ai pas de lettre identique. Et alors ici, ça va être avec remise. Avec remise, parce que je peux donc remettre le A une fois que j'ai utilisé une fois, je peux encore l'utiliser une deuxième fois, et ainsi de suite. Déjà, je vais pêcher dans mon chapeau quelques prénoms de la classe. Hop. Premier prénom, Georges. Donc, dans le pot, j'ai un Georges. Deuxième prénom, Raoul. Raoul. Troisième prénom, Mina. Quatrième prénom, Josette. Alors, la question est la suivante. Avec ces quatre personnes, vous allez fabriquer des couples. Des couples de deux personnes. Un couple, c'est deux personnes. Et vous allez me dire combien de possibilités de couples est-ce qu'on peut faire. Alors, ici, dans les combinaisons, ben, je vais vous laisser poser les questions vous-même. Donc, combien de couples différents peut-on fabriquer avec ces quatre personnes? Oui, une question là-bas. Oui, bien sûr, l'ordre n'a pas d'importance ici, en fait, parce que si on a le couple Raoul-Josette ou Josette-Raoul, eh bien, c'est le même couple, ok? Donc ici, l'ordre n'a pas d'importance. Donc, je vous laisse un petit peu essayer de chercher le nombre de couples différents qu'on peut fabriquer avec ces quatre personnes.
C'est bien de vous voir travailler comme ça. C'est brouillon, mais c'est bon. C'est propre, mais c'est pas bon. Bon, on va faire ça ensemble, hein. On va un peu structurer ça. Donc, méthode de d'habitude, c'est les arbres, hein. Ok? Donc, notre arbre s'ouvre en combien de branches? Première personne qu'on va utiliser pour première personne du couple, on a Raoul, Georges, Josette et Mina. Ok? Alors après, est-ce que je peux prendre Raoul deux fois? Est-ce que je peux avoir le couple Raoul-Raoul? Ben non. Donc, je vais ouvrir ici en trois branches au lieu de quatre branches. Donc, ça va chaque fois s'ouvrir en trois branches. Alors, Raoul, après, on aura Josette, Georges, Mina. Georges, ça fera Raoul, Josette, Mina. Josette, Raoul, Georges, Mina. Mina, Raoul, Georges, Josette. Ça, c'est la deuxième personne du couple. Okay? Alors, ça fait combien de couples tout ça? On va un peu écrire toutes les possibilités. Donc, je vous écoute, hein? Donc, Raoul, Josette, Raoul, Georges, Raoul, Mina. Georges Raoul, Georges Josette, Georges Mina, Josette Raoul, Josette Georges, Josette Mina, Mina Raoul, Mina Georges et Mina Josette. Alors, comptez un petit peu le nombre de possibilités qu'il y a. Je vais vous laisser un peu réfléchir. Hein. Ça c'est bon ça. Ça c'est excellent ça. Ok. Alors, combien de couples? Déjà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Le 12, on le voyait clairement en faisant, chers élèves, le 4 fois 3 ici. Hein. Ok, vous commencez à comprendre cette loi-là. Hein. 4 fois 3, ça fait bien 12. Mais est-ce que j'ai 12 couples? Il y en a qui m'ont mis 12 couples. Non, j'ai pas 12 couples. Parce que Raoul, Georges, ça c'est un couple. Mais Georges, Raoul, c'est un autre couple. C'est le même couple en fait ici. Ici, ça c'est un autre couple. Raoul, donc Raoul Josette, Raoul Georges. Alors GR ici, je peux barrer. RM, MR, je peux barrer. GJ, JG, je peux barrer. GM, MG, je peux barrer. Et MJ, JM, MJ. Donc j'ai combien de couples? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 couples. Okay? Donc j'ai 6 possibilités. Alors comment est-ce que je peux trouver mon 6 en travaillant avec les branches de mon arbre 4 fois 3? En fait, je dois diviser par les permutations. Donc j'ai une permutation de 2, comme l'ordre ne compte pas. Donc je vais diviser tout ceci par un P2, okay, par 2, ce qui me fait bien 6. Okay. Alors je vous donne les formules. La formule pour la combinaison, CPN, c'est factoriel n sur factoriel p, n moins p factoriel. Alors ici, dans le pot, n valait combien? N ici valait 4,
Et P, on en piochait combien? On en piochait 2. D'accord? Donc on peut écrire C de 4 égale factoriel 4 sur factoriel 2 fois factoriel de 4 moins 2. Ok? Donc ici, factoriel 4 en bas, factoriel 2 fois factoriel 2, ce qui me fait quoi? Ce qui me fait 4 fois 3 fois 2 fois 1 sur 2 fois 1 et 2 fois 1. Qu'est-ce qu'on peut simplifier? 2, 2, 1, 1. 12 divisé par 2, on trouve bien 6 possibilités. Ok? Alors en passant, on peut également dire que la formule de CPN, en fait, c'est un arrangement. C'est un APN sur un PN. En fait, c'est un arrangement divisé par une permutation. Ok? Donc, si on le fait par les arrangements, on peut voir donc que notre C de 4, ce sera un A de 4 sur un P2. Alors, A de 4, donc c'était factoriel 4 sur factoriel de 4 moins 2. Tout ça divisé par un factoriel 2. Eh bien, vous trouvez également exactement la même chose. Donc, c'est factoriel 4 sur factoriel 2. Divisé par factoriel 2, c'est faire fois l'inverse, donc 1 sur factoriel 2. Donc factoriel 4, 4 fois 3 fois 2 fois 1, sur 2 fois 1, 2 fois 1, on trouve bien nos 6 possibilités. Ok? Ça c'est pour les formules. Au niveau des mots-clés, comment est-ce qu'on fait pour reconnaître une combinaison? Au niveau des mots-clés, alors P est plus petit ou égal à N. Donc le nombre que j'en pioche est plus petit ou égal à N. Il n'y avait que dans l'arrangement avec remise, où n pouvait être supérieur à p. Parce que là, comme on le remet dans le pot, donc ici, comme on le dit, c'est sans remise. Donc on ne remet pas la lettre dans le pot quand on l'a pêché. Alors ici, c'est sans ordre. Alors c'est ça qui est le plus important que vous devez retenir au niveau de la combinaison, c'est que c'est sans ordre. L'ordre ne compte pas. Que vous soyez dans des parties de cartes, que vous ayez un As, un 2 ou un 2, un As, qu'ici que vous ayez le couple Georges-Raoul ou Raoul-Georges, ça ne compte pas. C'est la même chose. D'accord? Alors, il nous restait le quatrième mot-clé. C'était sans identique. Parce qu'en fait, donc, les quatre lettres du pot sont bien différentes. Il n'y a pas de lettres qui sont les mêmes. Ok? Donc, voici les mots-clés pour les combinaisons. Alors, ça va? Vous suivez? Maintenant, on va vraiment compliquer les choses. Parce que, ici, on a dessiné un petit, qu'on en a pioché deux. Pour la suite, je vais vous proposer qu'on va en piocher trois. Et je peux vous dire que vous allez voir que ça va être complexe. Donc, dessiner quand on pioche trois personnes. Donc, on ne va plus fabriquer des couples de deux personnes. On va fabriquer des triades. Des triades de trois personnes. OK? Et on va voir combien de possibilités il y a. On peut utiliser les formules qu'on a vues ici. Mais avant tout, je vous demande de faire un arbre, de visualiser ça. OK? Raoul, Josette, Mina et Georges, avec ces quatre personnes, combien de triades différents est-ce qu'on peut fabriquer? Donc, triades, c'est des groupes de trois personnes. Ok? Je vous laisse un petit peu réfléchir. Il va falloir revoir ça à la maison, là, parce que ça fait quand même un petit temps maintenant qu'on fait ça. Il faut que ça rentre un petit peu. Il va falloir s'entraîner. N'hésitez pas à refaire chez vous, à vous entraîner un petit peu. Parce que ceci, c'est vraiment à connaître. C'est la théorie. Bon.
On y va, c'est parti. Alors. Alors, première personne de la triade. L'arbre s'ouvre en combien ? Mais il s'ouvre évidemment comme. Le début, c'est comme l'autre. Hein. Donc, 4 branches, puis 3 branches, et puis après, ça deviendra 2 branches. OK ? Donc, on va le faire. Mettez votre feuille en format paysage, parce que je sais que ça va prendre de la place. Et regardez comment je vais faire. On va y arriver. 1, 2, 3 et 4. Ça, c'est la première personne. Donc, Raoul, Georges, Josette ou Mina. Okay. Ensuite, j'ouvre maintenant en 3 branches. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alors, si j'ai Raoul, alors je vais prendre Josette, Georges, Mina. Si j'ai Georges, Raoul, Josette, Mina. Si j'ai Josette, Raoul, Georges, Mina. Si j'ai Mina, Raoul, Georges, Josette. Ça, c'est la deuxième personne de la triade. OK ? Alors maintenant, ça va s'ouvrir pour la troisième personne en 2 branches. Hein. Donc 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ah ! C'est du sport hein, de commencer à dessiner des trucs pareils. On ne fera jamais des trucs plus supérieurs à ça. C'est juste pour vraiment que vous voyez, que vous visualisiez et que vous compreniez du coup ces histoires de formules parce qu'après... Après, on ne saura plus rien dessiner. Ça va devenir beaucoup trop impossible. Alors, si j'ai Raoul, Josette, il me reste Georges, Mina. Donc, Raoul, Josette, Georges, Raoul, Josette, Mina. Raoul, Georges, il me reste Josette et Mina. Donc, Raoul, Georges, Josette, Raoul, Georges, Mina. Raoul, Mina, Josette et Georges. Raoul, Mina, Josette, Raoul, Mina et Georges. Alors, G, R, il me reste J, M. Donc ça me fait G, R, J. G, R, M. G, J, R, M. Donc G, J, R, G, J, M. G, M, R, J. Ça fait G, M, R. G, M, J. J, R, G ou M. Donc ça me fait J, R, G, J, R, M. J, G, R ou M. J, G, R, J, G, M. J, M, R, G. Ça me fait J, M, R, J, M, G. M, R, G, J. Donc M, R, G. M, R, J. M, G, R, J. M, G, R. M, G, J. M, J, R, G. Vous suivez, hein, toujours, suivez. Hein. M, J, R, M, J, G. Voilà. OK. Alors, rend du sport. Hein. Vous allez
Ça va, mon son s'enregistre toujours parce que là, avant de faire ça, j'ai pas enregistré le bouton du son. Je peux vous dire, je le recommence pour la deuxième fois. Donc, parfois la vidéo, si on oublie un petit truc, hein, c'est faut tout refaire quoi. Ça, on paye cash quoi. Bon, ça c'est mon problème. Chacun ses problèmes. Vous, votre problème, c'est de piger ça et de connaître ça. Ok? Alors, vous allez voir combien de possibilités est-ce que l'on a. Donc je vous laisse un petit peu réfléchir, donc en sachant que il y a des couples qui sont des triplets plutôt qui sont les mêmes, hein, puisque l'ordre ne compte plus maintenant. Ok? Je vous laisse un petit peu voir et alors essayer de trouver avec les formules aussi. Voilà. Pas facile à dessiner, hein, ça, cette histoire. Pas facile, hein, gars. Je vois ça, je vois, je vois. Bon, on va faire ça ensemble, hein. Ça va, mon son est toujours là. Oui, il est là mon son. Hein. Pour ceux qui voient pas, il est là mon son. Hein. Yeah! Ça, c'est mon son. Hein. Ok? Jamais été très bon en grand écart. Ouf. Alors, on y va? On va faire ça ensemble. Hein. Ok? On a besoin de quelques couleurs. Alors, première possibilité, RJG. RJG, RGJ, c'est la même. GJR, c'est la même. GRJ, c'est la même. JGR, c'est la même. Deuxième possibilité, RJM. RJM, RMJ, c'est la même. 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 OK. RGM. C'est la même. 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 Ok, vous suivez? Faut se concentrer, hein. GRJ.
GRJ. GRJ, c'était la même que celle-là. Donc celle-ci, il fallait la barrer aussi. Il fallait la barrer en quelle couleur? Il fallait la barrer en jaune, puisque c'est la même que celle-ci. Possibilité suivante, GJM. GJM. GMJ, je barre. JGM, je barre. JMG, je barre. MGJ, je barre. MJG, je barre. Ok, on y est. Alors, combien de possibilités est-ce qu'on a ici? 1, 2, 3, 4. Donc j'ai 4 possibilités de triplets différentes, de triades différentes. 4 possibilités. Okay? Comment est-ce que j'aurais pu le trouver avec les formules? Alors, on prend les branches. 4 fois 3 fois 2, ce qui me fait 24. Comment est-ce qu'après je peux arriver à 4? Bon, c'est 4 que je veux. Eh bien, souvenez-vous, on divisait par les permutations. Par les permutations des 3 ici, puisque l'ordre maintenant ne compte plus. Donc je divise par un factoriel 3. Factoriel 3, c'est 3 fois 2 fois 1, donc c'est 6. 24 divisé par 6, on trouve bien 4 possibilités. Ok? Ça, c'est quand on voit avec les arbres. Pour ceux qui voudraient faire avec les formules, eh bien, on en pêchait combien dans le pot, en fait, hein? Dans le pot, n valait toujours 4. Mais P, on en pêchait 3 cette fois-ci. Donc ça fait un C 3, 4. Donc ça fait un factoriel 4 sur un factoriel 3 fois un factoriel 4 moins 3. Donc factoriel 4 sur factoriel 3, factoriel 1. Alors factoriel 4, 4 fois 3 fois 2 fois 1. Factoriel 3, 3 fois 2 fois 1. Qu'est-ce que je peux simplifier? Je peux simplifier tout ça. Il me reste bien 4. J'ai bien 4 possibilités. Okay? Ça, c'est une manière de faire. Ceux qui le font par l'arrangement sur la permutation, vous pouvez très bien dire que votre C3-4, c'est un A3-4 sur un P3. Okay? Donc un factoriel 4 sur un factoriel 4 moins 3, le tout sur un factoriel 3. Donc ça vous fait un factoriel 4 sur un factoriel 1, divisé par factoriel 3, vous multipliez par l'inverse, multipliez par 1 sur 3 factoriels, factoriel 4 sur factoriel 3, ça vous donne bien 4. Et la méthode que moi je préfère, plutôt que toutes ces formules, c'est celle de visualiser, voir les branches, hein, donc comme c'est écrit, eh ben, 4 branches fois 3 branches fois 2 branches, donc 4 fois 3 fois 2, divisé par un factoriel 3, donc 24 sur 6, et vous trouvez 4 possibilités. Ok. Alors ceci achève en fait donc la théorie sur toute la combinatoire. Donc toute cette vidéo est à connaître. Okay? Ça, c'est une vidéo de théorie, une vidéo de savoir. Vous devez savoir, un, on a vu le bon sens, les permutations sans identique, les permutations avec identique, les arrangements sans remise, les arrangements avec remise. Maintenant, on a vu les combinaisons. Ces six choses, vous devez quand même les différencier. OK? Allez, bonne bosse.